Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo avec vous, et on va se retrouver donc sur un jeu. Attendez, est-ce que j'ai un message? Voilà. Parce que c'est vrai qu'avec la neige et tout, il y a beaucoup de trucs à régler s'il y a cours ou pas le lendemain. C'est pour ça que je fais un peu une vidéo en milieu de semaine et tout. C'est vrai que je ne le faisais jamais, mais là j'ai le temps. Je vais parler un peu de moi, de ce que je fais. Et comme une vidéo ne serait rien sans un bon jeu, comme je disais, nous allons jouer à un hack de Pokémon version Emerald, qui est le jeu auquel j'ai le plus joué dans ma vie. Je vais jouer à Pokémon Flora Sky Version, qui est un hack en fait fait par des Américains. Donc le jeu est en américain du coup. Vous pourrez contester mon magnifique accent américain. La musique grésille un peu. Mais on est dans l'ambiance. Flora Sky, press start. Press start button, j'ai dit. Échappe. Excusez-moi, il faut que je lance avec l'autre émulateur. Sinon, ça va pas le faire. Voilà. Et c'est avec cet émulateur-là que je jouais à Zelda The Minish Cap. Ok, ça rend tout de suite mieux d'un coup. Press start button. New game. Hi, sorry to keep you waiting. Désolé de prendre ton attention. Bienvenue dans le monde de Pokémon. Mon nom est Birch. Ok, Birch. Mais tout le monde m'appelle le professeur Pokémon. Très bien. Voici ce qu'on appelle un Pokémon. Putain, il est moche. C'est Nicki Minaj. Ce monde est complètement habité par la créature Pokémon, mais les humains vivent avec les Pokémon en tant que copains, de playmates, donc de compagnons et de travailleurs avec eux. Et des fois, ils se mettent ensemble pour se battre comme nous. Mais à part notre, enfin, en dépit de notre rapprochement avec nos, avec eux, nous ne connaissons pas tous des Pokémon. En effet, il y en a beaucoup, beaucoup de secrets autour des Pokémon. Pour révéler les Pokémon, les mystères des Pokémon, tu devras faire des recherches. C'est ce que je fais. Et je suis. And you are. Oh yeah, je suis dans Phoenix Wright. Objection. Boy ou girl. Elle a plus qu'un pied, elle est. Flora ou Monsieur Pokémon qui monte du doigt. Objection. Je vais mettre. Objection. Alright. What's your name? Mon name est Phoenix Wright. Eh ben, y'a pas de place pour mettre Phoenix Wright, donc je vais mettre tout simplement Toys. Toys. Design. Et donc voilà, comme vous pouvez voir, je suis en forme, je suis content de faire une vidéo avec vous. So, it's Toys. Mais yeah, oui, c'est Toys. C'est Toys, mon nom. Ah ok, comme ma mère. Donc tu es Toys et tu as arrivé à Small Town, qui est donc village en fait en anglais. Donc en gros c'est un jeu de mots pour dire qu'on va aller dans une petite ville au début. Je comprends maintenant. Alright, es-tu prêt à commencer ton aventure, tout ça, prendre le courage, tout ça, blablabla, devenir ton rêveur de Pokémon. Bon, tout ça c'est vraiment un scénario classique quoi. Et donc, on commence comment? Dans le même camion que dans les modes, j'imagine. Ah bah exactement, voilà. Les camions bougent. Regarde, ça va être... J'essaie de faire une vidéo assez longue, hein, vraiment. L'une des plus longues possibles sur Pokémon Flora Sky, que vous pouvez télécharger sur ROM Station. Et je fais des mouvements bizarres parce que j'avance ma chaise. Voilà. Oh. Une belle maison. Un chalet en Suisse. Ma maman... Mais où es-tu, chérie? Ok, ça a dû être fatigant de se balader avec le camion d'aménagement. Ici, Small Town. Est-ce que tu aimes? C'est ta nouvelle maison. Bah, vous savez, pour le peu que j'y serai, à mon avis, c'est vraiment pas la place de... Enfin, ça sert un peu à rien quoi, de me dire que j'habite là, puisque je vais y aller que dans 5 minutes dans tout le jeu. Tu vois, Thais, c'est joli ici. Les déménageurs de Pokémon ont fait tout le travail, ils ont tout fait, tout. En gros, c'est des vrais larbins, quoi, des vrais esclaves. Donc tu peux aller en haut, voir ta chambre, et tout, bon, tout ça, c'est grand classique, quoi. C'est comme dans Emerald, sauf que le décor change un peu. Waouh, j'ai une GameCube! Qui n'est pas liée à une télé! Ouais! Ça c'est cool! C'est une GameCube qui marche dans le vent. Et une Game Boy connectée dessus, même si on voit clairement que c'est une manette. Bon, soit! On a une grosse Game Boy Color ici, et une télévision à écran plat, là.
Je fais un petit dodo. Donc, il faut activer l'heure si je me rappelle bien. Voilà, il faudrait mettre l'heure, donc il est actuellement PM déjà. Et il est 14h43 PM et j'ai passé. 43, bon, on va mettre ici. Voilà, confirmé. Ah. Est-ce que c'est le correct time? Oui, c'est le correct time, je vais faire chier, régler ma mauvaise heure, quoi. Oh, tu aimes ta nouvelle chambre? C'est vrai qu'elle est 10 fois plus grande que la mienne, quoi. C'est parce que moi j'ai un PC, j'ai pas une GameCube connectée à rien du tout. La musique est pas mal, je sais pas si c'est la celle d'origine. On va avoir une carte du monde. La région de ON. Oh, mais beaucoup plus de choses. On commence à Small Town. Ici, il y a Pool City, Mystic Town, Surrence Town, Black Peak City, Pokémon League. Oh, la Ligue Pokémon est déjà là, quoi. Mais j'ai pas besoin de faire tout ça. J'ai qu'à faire caca que je suis maître Pokémon, quoi. Turzoro City. Bon, j'ai couru avec vous en même temps tout le jeu, donc c'est pour ça aussi que je mets du temps. La LARA, RARA, la QPAF. AERA et la QARA, très bien. Je fais un peu le genre. Abutest Town, Serum City, Sharpos Island. Bon, en fait, là, on va faire la Barclay Premier League, quoi. Là, on aura Chelsea, Manchester, Fiesta Zone. Ah, ça, j'ai envie d'y aller à la Fiesta Zone, quoi. Golden City, c'est pour les Gold Digger. Et donc voilà, on a le PC. Et on va faire une vidéo, je crois. Donc, oula, cancel. Je vais aller sur RedTube. Alors, mailbox, decoration, turn off le PC, quoi. Faisons des économies d'énergie, déjà, j'ai pas le câble pour le brancher, donc bon. Faut que je remise ma batterie, moi, pour le temps que je serai là, quoi, encore. Et comme je vous dis, il y a un peu des dépôts verts, c'est chiant, parce que je me suis, j'ai eu un net custom moi-même. Bah, je sais pas pourquoi, mais j'ai un peu de verre qui teint sur ma main, là, c'est un peu dégueulasse. Je vais en mettre un peu de gants. Je sais pas, ça, parce qu'en fait, j'ai les mains moites, un peu. Bien, viens voir de plus près, y a ton papa à la télé. Ah non, même pas. C'est la Pokémon League. Ok. Très bien, donc la maman qui te troll en disant « Oh requin, il y a un documentaire sur ta série préférée, le truc que tu aimes le plus, ton grand rêve. Tu viens dans la télé? Merci d'avoir regardé mon reportage, c'est la fin. Oh, mais tu as raté le champion Cynthia. Ah oui, oh là là. Il y a un de mes amis qui vit là. Ah, va voir la next door, donc va voir à côté en fait où est le professeur Pokémon qui t'a parlé juste avant au début dans le camion. Ce qui encore une fois très logique. Donc... C'est dit, c'est beau hein, pour un hack de Pokémon quand même. Enfin, je dis un hack, c'est plutôt un mode en fait. Qui a-t-il ici? Oh! Tu m'as rien à dire, on va faire un combat. Oh, hello, and you are. Je suis notre nouveau voisin, ça s'appelle Toys, coucou. Nous avons une fille qui a la même chose que toi. Elle a essayé de se faire de nouveaux amis, très bien, c'est une grosse lettre en fait. Donc. Bah, elle aussi, elle a une GameCube qui n'est pas rebranchée à une télévision, et il est quelle heure? Exactement la même heure que moi, quoi. Elle est bien réglée. Une Pokéball rose, mais qu'elle est sexy. T'as le musique, enfin, bon, quoi. Tu fais, tu touches un Pokémon, mais je suis Mei. Content de te rencontrer, tu vois. Nous aussi, nous avons le rêve de trouver tous les Pokémon, ce serait sympa qu'on devienne des amis. Je veux pas qu'on soit amis, moi je veux qu'on soit plus que ça, tu vois. Oh, tu m'auras plus tard. Et moi je veux que tu me prennes maintenant. Allez, vas-y, absolument oui. Bon, soit. Je la garde pour plus tard, elle. Small Town. Qu'avons-nous d'autre? Mec a quand même un comptoir dans sa maison, je suis Daykill Lady. Ah, tu es une lady toi? D'accord. Tu as besoin de deux Pokémon pour commencer. Très bien, c'est la garderie des Pokémon, je crois. Hey, petite fille, tu t'es perdue? Il y a un Pokémon qui fait peur dehors, et je n'ai pas de Pokémon pour le battre. Tu peux aller voir ce qu'il fait pour moi? Ah oui, bien sûr. Ah, on sur la route. Ah, on sent un dangereux Pokémon qui me pourrait me trancher avec jugulaire avec les dents. Et... What the fuck, je peux directement me balader sans Pokémon? Eh, mais ça pète sa mère! Oh! This is... What?
Putain, c'était Cresselia, un Pokémon rare. Le mont Fullmoon est sa maison. Ah. D'accord. Sufflage. Bon, je fais attention. En gros, ils disent que c'est un Pokémon qui est rare. Et ça, c'est à peu près une illusion. Ils ont de la chance, c'est le vrai. Donc là, le gars dit, voilà, je suis nana. Professeur Beach qui vient. Qui me dit, ah, Pokémon, tu as visé ma maison. J'ai besoin d'un Pokémon. Heureusement, j'ai pris 3 Pokémon avec moi, choisissant un. Moi, je parle un Zigzagoon. Ah bon. Je suis droit qui? Non. 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 Bon, moi, je vais prendre le chimpanzé, puisqu'il est complètement craqué, le chimpanzé. Et donc, remarquons quand même que dans la version émeraude, normalement, on commençait avec Brasgali, enfin avec Poussifeu, et donc pas avec notre cher Pokémon singe, là, qu'on avait dans la version Diamant, je crois. Donc la 5ème génération, puisqu'il faut savoir que dans cette version de hack, il y a les 5 générations de Pokémon réunies, donc plus de 400 Pokémon. Et c'est vrai que j'ai envie d'y jouer. Donc, fight. Ouais, scratch. Fuck, fuck, fuck. Oh, c'est très efficace. On va refaire du scratch. Fuck, fuck, fuck. Et voilà, il est quasiment mort. Vite, lance une Pokéball et capture ton Zigzagoon. Ah, il utilise une baie. Et il restaure sa vie, mais il va nous la mettre profonde, quoi. Utilise le Crossfader la prochaine fois. Là, il me tacle. Il y a carton rouge, là, me fait l'envie de me faire casser la gueule. Oh oui, on l'a mis KO. Ce n'est que le début avant la Ligue Pokémon. Chimchar gagne. Chimchar, c'est vraiment un nom pourri quand même. Bon. Wow, thanks a lot. Retournons à mon labo. Follow me. Follow me, follow me, follow me, follow me, bitch. So, Toys, tu as entendu beaucoup de choses à propos de ta mère. What? J'espère que j'ai mal traduit. Sinon, ça devient complètement glauque comme hack. Bon. J'ai reçu mon Pokémon, cela dit. Pendant que tu y es, pourquoi ne pas donner un nom à ton Chimchar? Bah oui, on va lui donner un nom quand même, on va le changer. On va l'appeler Babouin. Comme ça, il sera classe. Babouin. Comme les rats babouins des Belges. On vous aime les Belges. Moi, je vous aime beaucoup en tout cas. If you work at Pokémon, si tu travailles avec Pokémon, tu donnes l'expérience, tout ça, et tu vas devenir un entraîneur Pokémon, donc tu vas devenir plus fort, et donc tu vas gagner la thune, et donc tu vas devenir un riche. J'ai mis quoi? J'ai mis oui, son... Bon, tant pis. Il y a une Pokéball qui traîne, on va aller la voler. Subtilement à la Skyrim. Ok, bon. Le début plutôt chiant dans Pokémon, c'est quand même le désavantage. C'est quand même un gros RPG vachement lent, donc je sais pas trop si... si c'est intéressant en fait de vous le montrer. Mais bon, j'ai envie de vous montrer une vidéo comme ça et tout. J'espère que vous allez très très bien encore une fois. Je fais tomber la poubelle pour être... comme d'habitude dans la continuité. Ok, je ne sais pas ce qui est bon, pourquoi... J'appelle ça une smooth bell. Tu en veux? Bah oui, je veux une smooth bell. Une smooth bell, je sais pas ce que c'est. Je sais pas, c'est bon en poké anglais pour pouvoir parler. Et donc lui, qu'est-ce qu'il me dit? Je suis l'homme de la garderie. Nous gardons possession de tes Pokémon pour les élever en fait. Donc ils sont adoptés des Pokémon. Quand ils reviennent, ils sont traumatisés. Ils sont traumatisés. Et donc il nous reste une maison qu'on n'a pas visitée encore. Oula. Viens faire les courses chez moi. C'est pas cher et j'ai des Pokéballs. À 5$. Welcome. Quand je peux t'aider, bah je vais acheter des trucs parce que j'ai de la thune, j'ai du bif quoi, j'ai du bif, j'ai 3000$ dans le cash, baby. On va acheter bien évidemment la plainte de trucs sympa. Ok, je suis à la poste en fait, donc c'est super. Je peux vendre un truc, je vais vendre la Smoothball. Mais oui, c'est bien ça, c'est un gros lot tout simplement. Et que je mettrai à mon Pokémon pour qu'il gagne plus d'expérience. Et là on va le faire tout de suite, on va être dans mon sac, donc Smoothbell, use, non. Conseil de papa, il y a une place et un temps pour toute chose. Give à Babouin, Babouin à une Oranberry, oui. Ça sert à rien qu'une Oranberry puisque c'est moi qui te dirige maintenant, tu es mon esclave, petit chimpanzé Babouin. Et on part de Small Town. Oula, lui il est un peu bugué, si vous avez vu. On peut pas encore y aller, puisqu'il est du coup en train d'examiner la route. Et qu'allons-nous faire du coup? Bah on va visiter la bonne direction, il dit qu'il y a un Pokémon qui fait peur là-bas.
Il n'y a rien. Donc, continuons à Pokémon. Tu es gentil, tu. Là encore, elle disait qu'il fallait qu'on parle au maximum de personnes si on sait pas quoi faire, donc c'est ce que je fais. Donc faut que je fasse pareil parce que maintenant que j'ai un Pokémon, je peux me défendre et je peux donc me faire agresser dans les grottes. Et je vais me faire violer par un pédobire. Sortons par là pour deux. Oh non, une fille, j'ai peur. Ici on va au milieu, y'a quoi? Sorte. Oh mon dieu! Régis. Il vient me casser la gueule. Avec ses cheveux noirs. Un brin ténébreux. Hé, hey, je suis Sky. Je suis l'assistant de Professeur Beach. Donc. Si viens jusque là, ok. Tu connais May. Je pense qu'on va se rencontrer. Tu devrais la rencontrer. Clairement, il faut que j'aille voir là-bas, quoi. Hey, May. Je devrais t'appeler Maybe. If you call me. Donc. Mon Pokémon m'a donné un Pokémon. Mon papa m'a donné un Pokémon. Et c'est parti. J'aimerais bien qu'elle ait un gros tas de morts. Elle a quoi? Pokémon Trainer Mason Piplup. Bah forcément. Bah oui, il a toujours notre faiblesse. Et moi j'ai Barboin. Je te fight. C'est pas très efficace. Mais écoute. Oulala. Après, la puissance du Scratch et du Return est avec moi. Tentablisme. Ok, bag. Il est temps de se soigner. Utilisons Laurent Berry. Alors, reprendre l'avantage. Ah, peut-être pas. Peut-être que ça va jouer au PV Press, sauf si elle soigne son Pokémon, bien évidemment. Ce qu'elle va faire à ce tour-ci, normalement, c'est pas bête. Je l'ai battu, je l'ai niqué à la slope. Absolument, oui. Bah bon, il y a une 70 d'expérience. Et je le level up. Ce sont des gens. Re tout le monde, donc comme je disais encore une fois, c'est du live. Et quand on est en live, forcément, il y a des trucs qui arrivent. Et non, je ne dois pas aller aider ma mère à faire les courses, non c'est faux. Et je vais tout simplement aller sauver le monde en mettant des magnifiques lunettes de soleil et en partant avec une explosion derrière moi. D'ailleurs j'ai pris mon kit de diffuse de bombe. Donc, je vais mettre Star et on se retrouve là pour la prochaine vidéo, s'il y en a une, si ça vous a plu. Sur ce magnifique Pokémon, le hack de Pokémon Root qui est super d'ailleurs je trouve. File, exit, voilà. Donc encore une fois, j'espère que tout ça vous a plu. 18 minutes de petites vidéos, ça devrait aller, franchement. C'est du Pokémon, c'est sympa, et des petits commentaires marrants. Et donc voilà, donc j'espère un maximum de soutien pour la reprise de ma prochaine vidéo. Enfin, de cette vidéo-là, justement. Et n'oubliez pas de regarder le concours de graphisme que je mettrai en même temps que cette vidéo-là. Allez, gens, peace out. Prenez soin de vous, rock'n'roll, bisous sur la truffe. Et j'aime la neige.